Par pitié, allez, allez, cher Ivan, tiens le coup. Tiens le coup, Charlie. Non, Charlie, t'es qu'une pute, j'ai les doigts qui collent. Ah non, Charlie, tiens debout. Allez, non, Shider! Misère, ok. Ok, tiens! Ils tiennent, ils sont beaux! Voilà. Ils sont beaux dans l'effort. Ah putain, j'en chie. J'en chie, chers amis. Ok, ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Oh non! Ok, je prends Char Ivan et Shader et je vais les mettre à côté de Xor, là où est leur place. Je prends les Love Power Rangers, les Magical Rangers, et je les mets ailleurs, là où leur destin les appelle. Et ici, nous revenons sur le terrain. La pâte à fixe, oui. Encore un Gundam! Oui! On est fou des Gundam. On aime les Gundam. Qui n'aime pas les Gundam? Partez de ce live, ceux qui n'aiment pas les Gundam. Disparaissez. Please go away. Oh putain. Allez. Encore un Gundam. Ça n'est pas le même. Il est nouveau. Il est neuf, celui. Regardez, hop. Que je lui fais sa tête dès le début, il ne ressemble à aucun autre. Il a 7 têtes. Pour celui qui arrive à me dire ce que c'est, félicitations. Pour les autres, tant pis. Ok, alors attends, comment tu fonctionnes, toi, fils de pute? Déjà, oui, bien sûr, les vis. Allez, les vis. Les vis du vis, on commence comme ça. Putain, ça me rappelle tellement les petits loups. Si vous connaissez, quelqu'un connaît le magazine Petit Loup? Enfin, Petit Loup? La contraption, il faut le dire. Le magazine Petit Loup avec Grand Loup, tout ça. J'étais abonné, moi, à l'époque. Chaque mois, je recevais Petit Loup. C'était un événement. Faut oser y aller avec les dents, en fait. Pif Gadget, oui, mais bon, ouais, non, mais Pif Gadget, c'est un peu vieux. Attention de ne pas mettre cette séquence hors contexte. Oui, je sais, je sais. J'utilise les t-shirts pour... Hop, voilà! Voilà! Des bras propres, des bras convenables, des bras formidables. Ok, voilà le torse. Voilà. Un torse bien fait. Ensuite, on prend les jambes. Une fois qu'on sait comment ça se construit, ça va vachement plus vite, hein. Ça va quand même tout de suite beaucoup plus. Oh Dieu, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Oh Dieu, merci. J'aurais fait tout ça en bois, je les aurais sciés, tu sais. Bob, qu'est-ce que tu fais? J'utilise la force de mes dents pour aller plus vite. Mes dents forcent beaucoup plus fort que les doigts. Vous le saviez, ça? Oui, vous le saviez sans doute. Bon. Hop. Des jambes, pousse la tête, ok. Putain, je sens que ça va être la merde à construire ce Gundam. Attends, pas de panique. Déjà, on va commencer par le protège-couille. Voilà, là. Le protège-couille. Le torse. Voilà, il commence à rendre bien en tout cas ce Gundam. Je sais pas où, mais je trouve qu'il est très stylé quand même. Oh, d'accord. Hop. Mets les ailes dans le dos.
Ok, j'ignore complètement qui est ce Gundam, mais il rend plutôt bien. Pas faire entrer ce bras par contre. Je sens qu'il est quelque part, mais il n'est pas exactement là où je voudrais. Voilà, je mettrai ça en dernier. Alors ça ensuite, qu'est-ce que c'est? J'imagine que les deux s'associent. Faire un très très gros canon c'est pas le Wing Zero si. Non, c'est pas le Wing Zero. C'est pas le Gundam Wing, ça. Non, c'est pas le Gundam Wing. Ça me surprendrait que ce soit le Gundam Wing, je vais être sincère. Je trouverais ça très surprenant. J'essaie de faire ça d'une manière épique en criant, etc. D'accord. Non. C'est déjà epic enough as it is. Oh putain. Yes, 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 yes. Tiens, 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 tiens. Ha! Victoire! Par contre, je suis persuadé que j'ai arrêté de faire des rangs d'argent. Je suis persuadé que j'ai foiré mon coup au niveau des. Pas un petit papier Gundam là qui traîne la fille, fais voir. Attends, comment il le tient son fusil là. Comment tu le tiens ton fusil? Il est censé le tenir comme ça. Wait. Ouais, si, c'est ça. Voilà! C'est parce qu'il pose son Gundam en mode classe. C'est le Gundam Freedom, vous êtes sûr? Il a un gros sniper, le Gundam Freedom, comme ça? Non? Fais pas genre tu lis le japonais. Non, mais c'est pour regarder l'image, espèce de nard, espèce de naze. Le gars, tu sais. Genre je lis le japonais. Alors, gachapon. Allons-y. Gachapon. Allez, attends, excuse-moi, j'ai le droit à un pompon. Oui, 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 depuis le temps, écoute. Il marche pas. 0 octet, ok, il est mort. J'avais pas compris. J'avais pas compris. J'arrive. Allez. Eh bon, je l'ai. Je recharge parce que cette vidéo a eu un problème, comme d'hab. Et j'arrive pas à ouvrir ce gâchapon. Qu'est-ce que c'est que cette version dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que cette version dégueulasse? Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un pompon? Un pompon Weiwei propre? S'il vous plaît, hein, avec Pamiu. Hein, que j'ai le droit à de l'amour. Ah. Ah.
Fuck. Reviens là. Reviens là, cachapon. La révolte. La révolte des cachapons. Ça y est, les gachapons se rebellent, chers amis. C'est la fin. C'est bientôt la fin. Du calme. Putain de gâchapon de merde! Il résiste. Victoire! Victoire! Et c'est donc une princesse Zelda. Ah, j'ai mal aux dents maintenant. Putain, j'ai dû y laisser du ivoire là-dessus. Ah! Oui! Oh, elle sent la merde! C'est dégueulasse! Mais du coup, voilà. Princesse Zelda! Qui tient pas debout, putain, c'est de la merde. Mais c'est un porte-clés. Donc, du coup, voilà. Tiens, c'est laquelle de princesse Zelda, celle-là? C'est une princesse Zelda du pif. 2013 Nintendo, ok. Princesse Zelda du pif. Tu me dis de quelle Zelda ça vient? Ah non, non, pardon, c'est oui, non, c'est A Link to the Past 2, là. Fate of Two Worlds, là je sais plus quoi. Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle? J'ai pas fait celui-là de Zelda, je l'avoue. Qui est sur 3DS. Mais du coup, voilà, c'est le Link Between the Worlds. Voilà, c'est le... Voilà. Donc, c'est Zelda va mourir ailleurs. Ensuite, nous avons encore un gâchapon. Découvrons ensemble. A Link Between Worlds, l'espèce de sac. Ah. Et ben, comme j'ai pas de 3DS, ou plutôt c'est Anaïs qui en a une, moi je m'en fous, je regarderai un playthrough, je pense, par culture. Ne serait-ce que par pure curiosité de savoir quoi je parle. Qu'est-ce que nous avons? Déjà, nous avons de la musique. Nous avons un chat qui miaule. Parce qu'il est dissident, bien sûr. Pas faire autrement. Nous avons de la musique. Nous avons un Gundam. Oh. Ah, il y a le nom. Alors celui avec le gros flingue, c'est le LRX 077. Celui que j'arrêtais pas de demander lequel c'était H3. Et le tout premier, c'est le RX 78 GPO2A. Alors là. Ce que je vais faire, c'est le OVML, le Homvel. À quand un Macross? Eh ben rigole, mais j'ai trouvé le VF pirate, c'est le VF que j'avais quand j'étais petit, parce que j'avais un Macross quand j'étais petit, qui se transforme en avion et en robot. Qui faisait à chaque fois que tu lui faisais des mouvements et qui n'avait pas coûté cher en plus, mais que j'ai jamais retrouvé par la suite, qui doit valoir maintenant des milliards. Et là-bas, rigole, mais les Macross, c'est super cher. Par contre, qualitativement, à côté Gundam, c'est de la merde. Voilà. J'avoue, Macross, tout mon respect. Tout mon respect pour les Macross. C'est tout. Suite de la musique. Musique qui bug, bien sûr, parce que. YouTube ne tolère pas que j'ai du fun.
Tellement schlaps ce clip, je voulais s'en profiter. Pourquoi Bob se balance-t-il? Parce que je suis encore au même rythme que j'utilisais hier pour utiliser mes couilles comme un coup de fouet sur les joues de ta mère. C'est tout. C'est le même rythme. Basiquement, c'est le même. Mon balancement, les joues de ta mère, la même. Ouh putain, je sens que ça va être un truc de merde. Ok. Attends. Avec de la musique. Ok. Ça c'est le bras gauche. Ok. Ça c'est le bras droit. Ok. Ensuite, ça, c'est... J'en ai aucune idée. C'est sans doute sa tête. Ouais, c'est sa gueule. Super. Ça... Putain, j'en ai aucune idée. Ça... Ça va dans son dos. Ça, c'est sans doute une queue. Moi, ça a l'air. Non, ce n'est pas une queue. Ça, c'est... The fuck if I know. Ça, sous ses couilles. Non. Merde alors. Réfléchis, Bob. Où est le petit papier?
retrouve le petit papier, Bob. Le petit papier est essentiel. Le petit papier t'apprend la construction d'un Gundam. Il est là. Oh putain, ça fait aucun sens. Ok, ça fait aucun sens. Okay, Ah, wait. Pompon, wait. Alors, oui. Non. Non, alors c'est pas ça. C'est pas ça. Mais si, pourtant c'est ça. Mais si c'est ça, c'est juste que je force pas assez fort. Bon, bah, technique secrète, utilisation des dents. Ah ah! Et d'un, regardez, j'associe le bras avec cette espèce de morceau bizarre, étrange et métallique qui ne sert a priori à rien. Je dis bien seulement a priori car vous allez voir la magie qui s'opère d'ici quelques secondes devant vos yeux ébahis et surpris, devant vos espoirs et vos rêves transformés, mesmérisés par la dextérité d'un Lennon. Putain, j'ai les doigts trop gros pour ces conneries. La la la. Allez, rentre. Putain, c'est plus serré que la chatte d'une écolière. Ah ouais, c'est bon. Les vieilles références, tu sais. Ah voilà. Donc l'attaque. Donc normal que ça ne rentre plus. Qui du coup me paraissent obscurs. Voilà. Voilà. Non mais t'es pas sérieux. Eh bien, je sais pas qui c'est ce Gundam, mais il m'a cassé les couilles. Hein. Oh putain, là où tous les autres étaient simples à comprendre, dans le sens où simple, bon bah, voilà quoi, ça se faisait. Celui-là, il a été, mais pfiou, il a été, mais olympique dans le pétage de bouliche, je trouve, si je puis me permettre. Il n'autorise pas bien plus d'exactions que ça. C'est quoi? C'est un Gundam lézard en fait? C'est un Gundam feuille? C'est un Pokémon Gundam? Métal et plante? Ça y est, je l'ai. Tada! Et ben, je sais pas du tout ce que c'est ce Gundam. Hein. Alors là, c'est
C'est moche. Bon. On le range avec les autres Gundam qui commencent à se reproduire. Tous ces Gundam dissidents qui commencent à vivre leur vie, à se reproduire, à avoir des émotions, des sentiments. Ok, encore un peu. Courage, les enfants. Courage. On y est presque. Ah, le reste des Maho Rangers. Des Rangers Power Rangers magiques. Est-ce qu'on peut d'ailleurs avoir... J'ai toujours un poil de chat dans le nez qui m'en fout. Est-ce que je peux avoir ça, d'ailleurs? Canaille. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y, Kimberley, fais-moi jouer. Oh, c'est ce qu'un des producteurs de la série a dû lire à un moment. C'est dégueulasse. Je suis dégueulasse. Alors. Une petite pensée pour votre enfance qui vient de mourir en ce jour. Bon. Pour ce qu'il en restait de toute façon. Alors. C'est pas un secret, Bob. Alors lui, il a une bonne base. Ça me plaît déjà. Ensuite, ses pieds sont faciles à mettre. C'est pas comme Force Rouge qui faisait chier. Hein. Waouh, c'est un plaisir, lui. Putain, il tient déjà debout. Oh, il me plaît, hein, Force Verte. Un peu une ceinture de merde, mais... Oh là là! Oh là là, il est super simple à mettre! Oh putain, c'est un régal! Oh, il a la hache magique! Oh, il me plaît! Il me plaît, lui! Et il est bien enfoncé dans la base! Oh putain, c'est un régal. Ce Ranger vert est un régal. On lui met sa cape, qui est tellement stylée. Oh! Et là, vous allez découvrir cette équipe de Rangers de fou. Regarde ce Ranger vert, ce Ranger bleu, et ce Ranger avec ses problèmes érectiles. Ah, c'est une catastrophe. Mais sinon, putain, rentre bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve très stylés, perso. Oh, c'est un régal. Force jaune. Allez. Ah, déjà on lui met la ceinture. Est-ce que je lui ai mis à l'endroit lui la ceinture? Ouais, c'est bon. Il l'a à l'endroit. Hop, tac, je suis en train de faire la jaune là derrière.